بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونكتنوى بك شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل إن على بغول أحمد رحمه الله ولدي ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ou celui qui amoindrit un, un des compagnons du prophète Mohammed, ou qu'il le déteste par rapport à quelque chose qu'il a fait, ou alors qu'il cite ses défauts, qu'il le cite en mal, celui-là, c'est un innovateur dans la religion d'Allah, un muqtadeh, jusqu'à ce qu'il demande la miséricorde pour tous les compagnons du prophète, وسلم, et que son cœur soit Serein et saint pour eux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Nous expliquons, nous, nous rappelons que déjà, le sahabi, le compagnon du prophète, c'est celui qui a rencontré le prophète, qui a cru en lui et qui est mort musulman. Ça, c'est un, un compagnon du prophète. Il a rencontré le prophète, il a cru au prophète, qui est devenu musulman. Et qui est mort musulman. Celui-là, c'est un compagnon. Nous rappelons, nous avons déjà fait un grand cours sur les compagnons, enfin plusieurs même, si vous pouvez revenir vers le cours d'avant, pour ceux qui viennent d'écouter seulement. Nous rappelons que le meilleur des compagnons est Abou Bakr siddiq radiallahu anhu. Que le prophète alayhi wa sallam, sur lui, euh, a dit sur lui, comme quoi s'il y avait Abu Bakr yani sur une partie de la balance et que toute la communauté était sur l'autre partie de la balance, ça aurait été Abu Bakr, yani la foi d'Abu Bakr est plus lourde. Nous rappelons que le deuxième meilleur compagnon est que c'est Omar ibn al-Khattab, nous rappelons que le troisième meilleur autre compagnon c'est Othman ibn Affan, anhu, et que le quatrième c'est euh, Ali ibn Abital, anhu nous en avons parlé, nous avons parlé des compagnons, les dix euh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur, a, euh, leur a annoncé qu'ils allaient rentrer au paradis alors qu'ils étaient encore vivants. nous, en, nous avons expliqué qu'il y en avait d'autres à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a annoncé le, le paradis alors qu'ils étaient encore vivants. mais il faut savoir une chose ici, et que le dogme, la croyance par rapport aux compagnons, en général, s'est divisé en trois. Il y a le Sunnah wal qui disent qu'il faut respecter les compagnons du Prophète, wa sallam, ne pas les insulter et tous les aimer. Pourquoi Ce Ça ne vient pas de notre tête. C'est Allah qui les a choisis pour la compagnie de son Prophète. Et il dit dans le Coran Allah est satisfait de eux et eux sont satisfaits d'Allah. Par conséquent, le fait de ne pas les aimer, c'est comme détester quelqu'un que Allah aime et c'est pour ça que on doit avoir le cœur sain et bien parler de eux car Allah les a, a fait leur éloge dans le Coran d'ailleurs Ibn Taymiyyah euh, dit dans son livre al Al-Wasitiyya Wa وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يعني ابن تيمية يقول في بختي دي باز دو جون دو Et, leur, et, la, et la langue de, de, de bien parler envers les compagnons du prophète car Allah les a dé, décrits dans le Coran où il dit yani, le verset sans euh, traduction rapprochée du, du, du verset et ceux et ceux qui sont venus après eux ils disent Ya Allah pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont précédés par la foi et ne met pas dans nos cœurs, euh, euh, l'animosité envers ceux qui ont cru. رَبَّنَا euh, notre mon Seigneur, tu es, euh, comme sans rapprocher de euh, miséricordieux, une sorte de miséricorde. rahim c'est la miséricorde. Et il faut savoir que tous les compagnons du Prophète Muhammad, sallam sont des gens de confiance. Tous les compagnons, sans exception, sont des gens de confiance. Euh, D'ailleurs, Ibn Abdelbar dit يعني, Ibn Abdelbar, le, Mali, le grand Maliki, dit tous les compagnons sont tous des gens de confiance agréé par Allah des, et des gens yarne euh, de, d'une réelle confiance par rapport à, au récit du prof, au récit prophétique c'est pour ça que si dans une chaîne de transmission de hadith nous entendons d'après un tel d'après un tel d'après un tel d'après quelqu'un qu'on connaît pas d'après le prophète Mohammed ça d'après le compagnon d'après le prophète Mohammed s'il y a quelqu'un qu'on connaît pas dans la chaîne de transmission le hadith il est faible parce que la personne, on ne la connaît pas, il y a une coupure dans la chaîne de transmission, le hadith est considéré faible. Mais si c'est le compagnon qui n'est pas connu, y a, on a la chaîne de transmission, elle est complète, et la personne avant le compagnon, il nous dit d'après un homme parmi les compagnons. Il ne nous dit pas c'est qui Eh bien, le hadith, on l'accepte. Pourquoi Parce que tous les compagnons sont des gens de confiance. Ils ne montent pas sur le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Nawawi, il dit dans son livre « taqrib « Al-Sahaba wa bi Tous les sahabas sont des gens de confiance. » Que ce soit les compagnons qui qu sont rentrés dans les fetna ou pas. D'accord? Et ça, c'est le consensus des scientifiques dans la science du hadith dessus. Et il faut savoir réellement une chose. Allah a réellement euh, fait les éloges des compagnons dans le Coran, donc il faut réellement faire attention à ne pas les insulter. Allah, par exemple, dans le Coran, il dit « Muhammadun Rasulullah »« ma'ahu ala al تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار جسكلا فان دي يعني الله دي محمد لبروفيت الله اي سو كي افيك لوي يعني ici il parle des compagnons Ils sont euh, tenaces envers les kouffar, miséricordieux envers eux. Tu les vois, ils font la prosternation et le recours. Ils veulent la le, le, le bienfait d'Allah. Ils veulent la satisfaction d'Allah. Il y a les traductions rapprochées. Tu reconnais les traces de la prosternation sur leur visage. Il y a une, la crainte d'Allah. Etc. Jusqu'à la fin du verset. Allah il a, il a fait leur éloge. Dans le Coran, pareil, Allah il a montré que ce sont les gens qui, qui, qui craignent le plus Allah. Allah il dit sur eux, par exemple, au sein le Coran, « wa kanu biha wa Allah leur a, euh, a yani, donné la parole de la crainte. Et, et c'est eux les plus méritoires, yani, à dire sur eux en bref, euh, qu'ils qu craignent Allah Azzawajal. Et même plus que ça, Allah Azza wa il dit dans le Coran, il dit aux gens Allah ici, il montre qu'il faut suivre les Sahabs. Il dit S'ils si croient en ce que vous avez cru, alors ils sont bien guidés. Il parle à qui Il parle au prophète et aux compagnons.

Diverge avec le prophète après qu'il a eu la science et qui suit un autre chemin que celui des croyants, nous <muché> allons l'abandonner à ce qu'il a appris comme allié en dehors d'Allah, on, on le fait arriver à Jahannam, l'enfer, et quelle pire destination Pourquoi Allah il dit Et celui qui diverge avec le prophète après qu'il a eu la science et qui suit un autre chemin que celui des croyants Qui sont les croyants à ce moment-là Ce sont les compagnons.

Allah ici, il dit Ceux qui ont cru. Wa ils ont fait le hijra et ils ont fait le jihad pour Allah. Et ceux qui ont يعne, sauvé et préservé, يعne, ils, de, ils ont sauvé le prophète. Ils ont essayé de sauver la religion d'Allah contre les koufars. Ceux-là sont vraiment les croyants. Ils auront une miséricorde et un bien. Grandieuse, yani le paradis. Il parle de qui ici Il parle des Sahaba. Yani il parle des compagnons. Et dans d'autres versets, même dans le al-Fatiha, Allah carrément il nous ordonne qu'on demande le chemin du prophète. Quand il dit dans Surah al-Fatiha, « al mustaqim al »« Guide-nous vers le chemin droit, le chemin de, si, de ceux à qui tu as donné ta grâce. » Qui sont ceux à qui Allah il a donné sa grâce

Qui sont ces prophètes véridiques, martyrs et pieux Eh bien, dites-vous que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était sur la montagne de Uhud avec Abu Bakr, Omar et Othman. Et la montagne de Uhud s'est mise à trembler. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors, a dit Uthbut Uhud, fa inna alaykanabi, ou wa siddiq wa shahidan. Yani, rafferme toi Uhud, car il y a sur toi un nabi, un véridique et deux martyrs. Yani, ici, il parle de lui. Le prophète me parle de lui, Abou Bakr, Omar et Asman. Et Allah il dit que ceux à qui il a donné sa naama, c'est les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Par conséquent, c'est cela que Allah il a fait naama sur eux. Donc quand il dit, ⁇ Eh dinaserat al mustaqim serat al-ladina anaam ta'alaim, il nous vers le chemin droit, le chemin de qui tu as donné ta grâce, cest le chemin de Mohammed, de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali. رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم a dit من اقتدى بأبي بكر وعمر فقد اقتدى celui qui suit Abou Bakr et Omar c'est celui-là le bien guidé Donc comment quelqu'un vient au jour d'aujourd'hui comme les chiites et les insultes d'ailleurs on parlera des chiites et parce que les chiites insultent clairement Abu Bakr insultent Omar insultent Othman insultent Aisha رضي الله عنها alors que les chiites Et certains des khawarij un certain groupe de khawarij qui insultent les sahabas aussi, ils disent que les sahabas, yani ils sont kuffars. Comme les chiites par exemple, ils disent qu'Abu Bakr est kafir, Omar et kafir, est kafir. C'est clairement traiter le prophète Mohammed sallam de menteur. Pourquoi Et c'est clairement aussi traiter Allah de menteur. Et on demande qu'Allah nous préserve. Les chiites, ils disent qu'Allah ment en, dis, en insultant les sahabas. Pourquoi Parce que Allah dit dans le Coran Muhammad n'est qu'une révélation révélée. Allah il lui donne la révélation. Il lui donne la révélation. Et parmi les révélations que le prophète a reçues, et qu'il nous a dit qarni. Thumma thumma Ça, c'est une révélation puisqu'il nous parle de l'avenir. Le prophète ne peut pas connaître l'avenir. Le prophète nous dit Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle ensuite le siècle après eux, ensuite le siècle après eux. Ici, il nous parlent de l'avenir. Et cet avenir-là, eh c'est Allah qui lui a donné la révélation. Eh bien, dans les chiites, ils te disent non. les pires des gens, c'est le siècle du prophète. Puisque Abu Bakr a apostasié, Omar est khaifar, il traite Aïcha de prostituée. Les chiites, en disant que le prophète s'est trompé, clairement, ils disent que Allah ment ou Allah s'est trompé. C'est pour ça que les chiites sont sur un égarement clair et net. Et de toute façon, les chiites, ils disent que le Coran qu'on a maintenant, ce n'est pas le vrai Coran. Le vrai Coran, ils disent que c'est le Coran de Fatima qui n'est pas encore descendu. Celui qui dit cette parole et qui y croit est un mécréant. Alors, les Khawarij et les chiites insultent les compagnons, insultent les Sahaba, Alors qu'on a dans un hadith clair et net dans le Bukhari, les musulmans que malheureusement les chiites appellent les grands menteurs, alors que c'est eux les pires démenteurs, comme le dit beaucoup de ulama, comme par exemple le chef qui dit, euh, une parole y citée dans sharh Usul Wal I'tiqad le chef il dit, al-ahwa, awa, ashhad min En résumé de la chose, j'ai pas vu يعني, dans tous les gens plus euh, vil dans la ruse et dans le mensonge que les que, que les, 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 يعني, les, les, les chiites. Un simple exemple, <coughs> les chiites insultent les sahabes ainsi que les khawarij alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « la tasubbu ashabi falaw anna ahadukum anfaqa misla uhudin zahaban ma balra mudda ahadihim wala nasifa cest yani, clairement le prophète dit « n'insultez pas mes compagnons, si l'un d'entre vous il, il donne en sadaqa, l'équivalent de la montagne de Uhud, en, en, en or, et ça n'atteindrait même pas une poignée de ce qu'un un de mes compagnons il donnerait ou même la moitié d'une poignée donc on, on fait comment on écoute le prophète ou on écoute les chiites on écoute Allah ou on écoute les chiites parce que Allah dans le Coran il dit sur les compagnons la il regarde, subhanallah, la différence entre la parole d'Allah et la parole des chiites, qui ont pratiquement yani, traité Allah de menteur. Allah, il dit, Allah est satisfait des croyants qui te font allégeance sous l'arbre. Il parle des compagnons qui étaient sous l'arbre. Parmi eux, il y avait Abou Bakr. Qui était, et eux, ils te disent, non, Abou Bakr est l'apostasie. Comment ils peuvent dire ça alors que regardez la suite du verset. Allah il dit, Allah il a su ce qu'il y a dans leur cœur. Allah il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Les chiites ils te disent non. En réalité il avait apostasié. Donc peut-être que les chiites savent mieux que Allah ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et bien sûr que non. Alors il faut savoir une chose. C'est que les sahabas, leur bien il est incroyable. Par rapport à nous, premièrement, ils ont vu le prophète sallam ils ont assisté à la descente de la révélation. Allah les a choisis pour être les compagnons de Son Prophète. Le prophète les a aimés. Ce sont les meilleurs des gens, comme le prophète a dit, les meilleurs des gens sont mon siècle. Allah leur a fait leur éloge, quand il dit sur eux, il leur a yani, obligé la parole, la parole de, de, de la crainte. Allah il les a élevés. Allah carrément il nous demande de les suivre. Il nous ordonne de les suivre. Il dit Fa'in ou Si les gens ils croient, ils suivent, ils croient en ce que vous croyez, c'est cela les bien guidés. D'accord Ils ont été les premiers musulmans. Les premiers musulmans. Ils ont cru en prophète alors que tout le monde l'avait rejeté. Ils ont sauvé et préservé le prophète alors que tout le monde le voulait le combattre. Ils ont été les premiers à nous enseigner les hadiths, etc. Ils sont les gens les plus scientifiques dans la religion d'Allah, car ils ont pris cette religion à la source. Le prophète a interdit de les insulter, il a dit, n'insultez pas mes compagnons. Et par rapport à ça, il faut savoir une chose, c'est que le fait d'insulter le compagnon est un grand péché. Celui qui en insulte un ou deux, il a fait un grand péché. Mais celui qui les rejette tous et qui les insulte tous, celui-là, il sort de l'islam. D'ailleurs, en général, ceux qui insultent comme ça la plupart des sahabs, c'est vraiment les chiites, al Pourquoi En réalité, ils insultent les sahabs pour pouvoir arriver à dire aux gens le coran que vous avez là, il n'est pas vrai. Et le prophète que vous écoutez, ce n'est pas le vrai prophète. Pourquoi Parce que.

En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité et En réalité, ils veulent dire bah le prophète que vous suivez c'est pas le vrai prophète. Euh, et le Coran que vous avez c'est pas le vrai Coran. En réalité, ils veulent l'islam. Ils veulent montrer que l'islam n'est pas la vraie religion. Et c'est pour ça que aussi Abu Zur'a, Abu Zura al razi il dit "Si tu vois un homme qui des صلى الله عليه zindiq. Et c'est parce que le وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبتلوا الكتاب والسنة والجرح أولى بهم وهم زنادقة يعني أغزم من لشوز ستفوى si quelqu'un rabaisser les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sache que c'est un pervers pourquoi parce que le, le prophète pour nous il dit vrai Allah il dit vrai Et Allah il les a élevés, le prophète les a élevés. Mais celui qui fait ça, en réalité, il veut euh, rabaisser les témoins qui nous ont ramené l'islam, parce qu'en réalité, ils veulent rabaisser l'islam, ils veulent rabaisser le Coran ou le Sunna. Donc, on doit s'en méfier.